Un homme a été secouru par hélicoptère après avoir tenté sans succès de traverser la rivière Yuba, samedi. Kelen Ituyono, 25 ans, faisait une randonnée autour de la rivière lorsqu'il tentait de nager à travers celle-ci, selon le Reno Gazette Journal. Malheureusement, il a été pris dans le ressac des vagues et a été tiré dans les rapides. Tuyono a déclaré qu'il a perdu son sens d'orientation, alors que l'eau turbulente l'a tiré vers le bas. Il a été frappé contre les roches plusieurs fois, alors qu'il était tiré le long de la rivière par le fort courant. Tuyono a pu s'accrocher sur un gros rocher à environ un kilomètre, de là où il tenta de traverser. Un autre randonneur a repéré Tuyono et a appelé le 911. Les fonctionnaires disent qu'il est chanceux d'être en vie. Ils ont déclaré qu'il y avait plus de 2 douzaines de noyades dans la région, juste au cours du dernier mois.